Donc, ça c'est la parole de Hassan al-Banna. Il appelle ses frères. Ses frères, il ne parle pas de ses frères en islam, il appelle de ses frères du groupe des frères musulmans. Et comme on le verra plus tard dans certains, dans d'autres assises, le fait que le groupe des frères musulmans réunit même des chrétiens. Il réunit même des chrétiens. Tu peux être chrétien et faire partie des frères musulmans. Tu fais partie des frères musulmans. C'est pour ça que certains parmi nos savants les appelaient Al-Khouwan, Al-Muflisoun, Al-Sheikh Muqbil, Bin Hadi Al-Wadi'i, Rahimahullah Ta'ala, les appelait Al-Khouwan, Al-Muflisoun, ce qui veut dire approximativement les traîtres. Al-Muflisoun, c'est celui qui est en faillite. Les traîtres qui sont en faillite. Comme cela, Al-Sheikh Muhammad Hamid Al-Fiqi, Rahimahullah Ta'ala, qui faisait partie des grands savants de la Sunna, parmi les savants d'Égypte, qui lui a connu Hassan al-Banna et au moment où il a fondé le groupe des frères musulmans, lui il les appelait Al-Ikhwan Al-Misriyoun, les frères égyptiens. Puisque Hassan al-Banna, dans les fondements du Hizb, ne met pas le fait, il appelait son Hizb, cette secte, les frères musulmans. Mais il ne met pas comme condition que tu sois musulman. Et on verra dans des cours futurs, Inch'Allah Ta'ala, le fait qu'il y a parmi les grandes personnalités de ce groupe, de cette secte, des chrétiens. Comme par exemple, et ça c'est une parole de Hassan al-Banna où il dit Akhuna, il parle de son frère, de ce frère, quel frère? De son frère en quoi? En islam? De son frère en hizb, dans le parti, selon le parti, selon le groupe. Il dit Akhuna al-Ustad Louis Farnous. Louis Farnous, c'était un chrétien égyptien. Donc il parle de son frère. C'est son frère en quoi? En islam? Non, selon le hizb.